Good morning. Allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishma, d'avoir mon réveil, les sujets, les Dvorah bat Esther, Rachel, Bracha bat Masouda, ainsi que leur fois, Abba David ben Esther, et Esther baptisa bat Orchard pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Kedouot avec Aleph Mishnah. Hey, Ha'ochel et Senchami bi-Yehuda, Shelo be'edim. Eno yachol lit'on ta'anat betulim, mi-penei shemit'yached ima. Achat al-manat Israël, ve'achat al-manat Kohen, k'tubatan manet. Bet din shel kohanim ayu govin la betula 400 zuz velo michu biyadam chachamim. On commence à traduire la première phrase d'abord, elle est liée à toutes les mishnayot précédentes, que a ochel etzel chamiv biyuda, ceux qui mangent, celui qui mange chez son beau-père, biyuda, dans la région de Yehuda, la Judée, chez lo be'edim, et qu'il n'y avait pas de témoins. D'accord, je ne sais pas ce que ça veut dire, ceux qui n'avaient pas de témoins, j'ai pas réfléchi donc quand j'ai préparé mon cours, mais c'est pas grave. Eno yachol lit'on ta'anat betulim, il ne peut pas prétendre qu'il n'a pas trouvé. Je sais c'est quoi les témoins, ouais, je me rappelle bien sûr. Je l'ai même vu. Eno yachol lit'on ta'anat betulim, il ne peut pas prétendre le fait qu'il ne trouve pas des betulim, mi penei shemitiached ima, parce qu'ils ont l'usage de s'isoler ensemble. Alors là, on explique un petit peu mieux. On avait déjà expliqué que se marier avec une femme, aujourd'hui, dans la choupa, quand on va dans un mariage, on fait deux choses sur la choupa. D'abord, on acquiert la femme, on lui donne la tabat, on dit « Atmekou Deshet Li », et ça s'appelle ça « Eroussin »,« Kidushin »,« Eroussin », qu'on a fiancé la femme. Pour le moment, on n'a pas le droit de s'isoler avec sa femme. Il faut attendre nécessairement de continuer la choupa, de faire les Sheva Brachot. Une fois qu'on fait les Sheva Brachot, le mari prend le jeune Khatan prend sa femme et va s'isoler avec sa femme. En général, chacun selon son ménage, il y a quel moment où il fait ça, si c'est en rentrant chez lui à la maison, si c'est d'abord tout de suite, en allant passer un petit quart d'heure avec sa femme, juste eux en tranquillité, c'est pas qu'ils vont avoir un rapport, mais c'est qu'il faut s'isoler de manière à ce que ce soit théoriquement possible de faire un rapport, comme ça on s'appelle la choupa. D'accord? Ça c'est comme ça qu'on procède dans nos mariages, dans les mariages à notre époque. À l'époque, nous les fiançailles, c'est ce qu'on fait beaucoup plus tôt, c'est quand ils se rencontrent et qu'on décide de boire les chaïm, quelque chose qui engage en presque rien. D'accord? Ça, c'est ça les fiançailles, et chez nous, c'est le mariage, on fait deux étapes. À l'époque de la Gemara, on faisait ça, les fiançailles, c'est en fait les kiddushin. C'est-à-dire qu'en fait, en Kislev, Tavshin, Pe, Gimel, on décide de se fiancer avec une femme, on va prendre des témoins, on va prendre une bague, on va dire « Arat mes kudeshet li ». Et pour le moment, on fait la fête, on boit les chaïm, elle rentre dormir chez son père, et lui rentre dormir chez sa mère. Chacun chez son père et sa mère aussi, bien évidemment. D'accord? Et ils repartent chez eux, ils repartent dormir, et comme ça, ils vont vivre pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, le temps de mettre un petit peu d'argent de côté, de prévoir la maison où est-ce qu'ils vont habiter, de s'organiser. Les fiançailles à l'époque, c'était quelque chose de très très engageant, parce qu'on mariait la femme concrètement, on faisait un acte d'acquisition. Seulement, on n'avait pas le droit de s'isoler avec elle, parce qu'on n'avait pas fait les Sheva Brachot, et on n'avait pas fait la Chupa. On n'avait pas fait les Sheva Brachot, en réalité. C'est ça, surtout ça le problème. Quelqu'un qui va avoir un rapport avec une femme, avec sa femme, alors qu'il n'a pas encore dit les Sheva Brachot, il est considéré comme quelqu'un qui va, la Gemara nous dit, comme si il va avoir un rapport avec sa femme Kenida. Comme ça, la Gemara parle violemment, que interdit de... D'accord? Maintenant, il y avait, dans une région d'Israël, en Yehuda, en Judée, c'était fréquent que le jour où on faisait le fiançailles, après les invités partaient, on laissait le Khatan et l'Inkala partir s'isoler dans une chambre. En général, le but de bord de ça, c'était quoi? C'était de se familiariser un petit peu plus. D'accord? Étant donné que quand le monde se dirigeait avec beaucoup de pureté, vous imaginez, se retrouver le premier soir de mariage avec une femme, on n'a jamais eu de rapport, lui il a parlé toujours qu'avec des copains, elle qu'avec des copines, d'un coup se retrouvent ensemble, ils doivent déjà passer à l'acte entre eux, par où on commence, qu'est-ce que... Donc du coup, histoire de se sentir un petit peu plus familier avec sa femme, l'usage il était de s'isoler avec elle pendant 2 heures. Pour pouvoir s'isoler, attention, en Yehuda, la Gemara explique, ils avaient l'habitude de faire les Sheva Brachot auparavant. Donc en fait, en réalité, ils réalisaient déjà tout le mariage total, Kiddushin et Nisuin. Mais après, ils se séparaient, que chacun y est resté chez lui, lui chez lui, et elle chez elle, pendant jusqu'à la date. Et à la date venue, ils recommençaient les festivités très, 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 avec beaucoup de joie.
D'accord, ça c'était l'usage qu'ils avaient en Yehuda pour pouvoir familiariser un petit peu le. Ce qui se passe, c'est que ça, ils sont partis s'isoler alors que sans faire attention à faire entrer des témoins. Normalement, il fallait faire entrer des témoins dans la chambre, vérifier que tout est blanc, tout est propre, qu'ils aient. Et après, ils s'isolent s'ils veulent. Et comme ça, quand ils sortent, on vérifie que peut-être que finalement, en s'isolant, ils ont eu un moment de tendresse un peu fort, et puis il y a eu rapport entre eux, sans faire spécialement attention, parce que, d'accord. Et donc la Mishnah, elle vient, elle me dit, la Mishnah, elle me dit que si, toutefois, il s'est isolé avec elle, et qu'après, passe 6 mois, et qu'après 6 mois, arrive la date du fameux mariage, il se marie avec elle, il se lève le matin, il dit, je n'ai pas trouvé qu'elle était... Elle était Béoul, et j'ai trouvé qu'elle n'était pas vierge. Elle était Béoula. On va lui dire, tu peux rien prétendre, toi, mon ami. Parce que toi, hein, tu t'es isolé avec elle. Si tu t'es isolé avec elle, tu sais très bien qu'il y a eu des petits attouchements par-ci par-là. Peut-être qu'il y a eu même autre chose qui a été fait. Tu ne peux plus rien prétendre. D'accord? Ça, c'est la première partie de la Mishnah. C'est ce qu'on a vu. Ochel Esel Khamif Biyouda, celui qui mange chez son beau-père à Yehuda, chez l'Obédim, celui qui mange, en fait, c'est une manière propre de dire qu'ils se sont isolés, alors qu'il n'y avait pas des témoins. Eh bien, Eno Yachol Liton Ta'anat Betulim, il ne peut plus prétendre qu'il n'a pas trouvé des Betulim à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est isolé avec elle. Et il ne peut pas nous raconter qu'après, ouais, mais quand je me suis isolé, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Peut-être que tu as oublié, c'était pas assez engageant dans un petit moment d'émotion, ça a un peu débordé, puis voilà. Ok. À part ça, autre sujet qui n'a plus aucun rapport maintenant. Achat Almanat Israël va Achat Almanat Kohen. Qu'il s'agisse d'une veuve d'un Israël ou une veuve d'un Kohen. Ktubata un mané, il faut lui donner Ktuba de un mané. D'accord? Ok? Par contre, Beddin shel Kohanim, Ayogovin, la Betula, Arba, Meodzouz, Velo, Micho, Biadam, Khamim, les Beddin des Kohanim, dans les villages des Kohanim, les Beddin, quand ils avaient des cas de Ktuba à juger, comment est-ce qu'il faut donner à une femme, eh bien, ils avaient l'habitude de donner à une femme vierge 400 zouz quand ils divorçaient sa femme, ou s'ils mouraient sans l'avoir. Le mari mourait, il fallait lui donner 400 zouz au lieu de 200. On avait vu que normalement, pour une femme vierge, 200. Pour une femme veuve, 100. Chez les Kohanim, il donnait à la femme vierge 400. Velo micho biyadam chachamim, chachamim n'ont pas rien critiqué sur cet usage. Celui qui veut rajouter, ils ont le droit de rajouter s'ils veulent. D'accord? La Gemara, en fait, elle explique ça, donc c'est un peu compliqué. C'est qu'au début, les Kohanim, pour pouvoir. En fait, le Kohanim le fait, plus on donne une touva importante, ça signifie qu'on valorise la femme. D'accord? Et dommage que je ne savais pas ça quand je suis marié, je leur donne des millions. Mais enfin, il y a. Donc, ça, plus on va. Mais non, les Kohanim, pour pouvoir bien valoriser leur femme, que chez nous on est les Kohanim, on n'est pas juste des gens ensemble du peuple, alors ils donnaient deux fois plus. Ils donnaient deux fois plus pour la femme vierge comme pour l'almana. Et pour l'almana, ils donnaient 200. Le problème qui s'est passé, c'est qu'après les Kohanim, ils disaient, ah, une almana 200 de Kohen. Bon, c'est vrai que c'est une famille importante. Mais franchement, je peux avoir une vierge Israël, au prix d'une Béoula Kohenet, je préfère partir à la vierge Israël, et du coup les Kohanim ne valorisaient plus les veuves des Kohanim, parce qu'ils disaient qu'à ce prix-là, je préfère rouler en grosse Mercedes cabossée, ou rouler en Toyota propre, qu'est-ce que vous préférez? Non, BMW. Ah, la Mercedes, ça coûte 500 000. Mais elle est cabossée, elle a des coûts partout. Tu prends une belle Toyota, c'est bien, ça coûte pas aussi cher, mais au moins c'est propre. D'accord? Même principe. Donc du coup, parce que tu t'es mis à prendre aussi cher pour la Almana, t'es prêt à prendre aussi cher pour la Almana des Kohanim que pour une Betulat Israël, les Kohanim préféraient partir se marier avec les Betulat Israël, et les veuves Kohanim, elles restaient bloquées sans pouvoir se remarier. Donc du coup, Khamim, ils ont rebaissé le prix de la Almana, mais ils ont laissé le prix de la Betula à 412 malgré tout, pour mieux valoriser les filles des Kohanim. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.